Emmanuelle Tschukriel ist eine französische Illustratorin. Ein besonders tolles Buch von ihr heißt auf Deutsch Wunderwelt Natur und auf Französisch Beauté de la Nature. Emmanuelle ist in Lyon geboren. Sie hat in Paris studiert. Heute wohnt sie mit ihrer Familie in Niort. Das Institut Français hatte sie nach Frankfurt zur Leseeule eingeladen. Aber Emmanuelle konnte leider wegen Corona nicht kommen. Deshalb ist die Leseeule mit ihrer Kamera zu Emmanuelle nach Hause nach Frankreich geflogen. Guten Tag! Je m'appelle Emmanuelle Tschukriel, je suis illustratrice. Bienvenue dans mon atelier. Alors je devais venir à la Chouette Kili à Francfort cette année, mais c'est annulé à cause du coronavirus. Donc je vous propose de vous faire une présentation de mon travail à la maison. Donc, je suis illustratrice de la collection des Inventaires illustrés qui est éditée chez Albin Michel Jeunesse et qui est traduite dans plus de 10 langues. Donc, on a de l'allemand là, et puis on a du japonais qui a une magnifique couverture, coréen, vietnamien, chinois, russe, anglais, allemand, polonais, espagnol. Italien, portugais, donc voilà. Et en fait, cette collection, c'est des livres sur la faune et la flore du monde entier. Donc ils sont regroupés par thème. On a les animaux, on a les arbres, les records de la nature, les fruits et légumes. Et ici, vous pouvez voir toutes les étapes que j'ai besoin de faire pour un dessin. Donc là, on a un petit crayonné rapide qui me permet de savoir à quoi va ressembler l'animal. Ensuite, je fais un dessin plus abouti. Et enfin, voilà la version définitive de l'illustration. Je vous présente Virginie Aladjidi, ici, qui est la conceptrice et l'autrice des textes. Voilà. Là, vous pouvez voir les différentes étapes dans la réalisation d'un dessin. Ici, je vous ai sorti quelques dessins issus des différents inventaires. Et ensemble, on va parler un petit peu des beautés de la nature, qui est le recueil en fait de 450 dessins que j'ai fait pour la collection et qui se retrouvent tous dans ce petit livre noir très épais avec des plantes, des animaux, des fleurs, des légumes, des arbres. Alors, normalement, pour me documenter, je regarde plein de livres différents, je me rends dans des muséums. Lorsque je peux observer mon sujet dans la nature, eh ben, je le fais. Par exemple, lorsque j'ai fait l'inventaire des fruits et légumes ou des arbres, j'ai été me promener dans des parcs, dans des jardins, pareil pour les fleurs. Après, il y a des thèmes pour lesquels c'est un petit peu plus compliqué, donc je me documente beaucoup d'après des vidéos, des photos, et je me fais une grosse banque d'images que je compile ensuite pour recréer ma propre version de l'animal. Et pour l'occasion, je vais vous dessiner une petite chouette. Alors, c'est parti pour le dessin de la chouette. Donc je commence toujours avec mon rotring
pour faire les tracés. Là. Alors. Ouh, 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 ouh.